Salut tout le monde et bienvenue dans un autre épisode de notre chaîne Ocean Scrum. Je suis très ravi de pouvoir vous apporter cette vidéo aujourd'hui car ça fait un bon moment qu'on n'a pas parlé dans une vidéo comme ça. Ça soit où je vous raconte ma vie, où je vous présente un, un pédale ou quoi que ce soit, une guitare. Du coup, aujourd'hui, je me dis tiens, je vais vous présenter un produit aujourd'hui avec mon nouveau look. On dirait un des, des personnages de House of Dragon. Du coup, le produit, c'est le Blackstar ID Core 150W Super Wide Stereo Amplificateur. Mon compagnon, pendant des années, on a construit une confiance absolue avec cet amplificateur. Et il te permet de faire beaucoup de choses par Blackstar Amplification, bien sûr. Du coup, avec cette vidéo de, de l'ampli, ça s'enchaîne des autres vidéos dans ma tête pour, euh, pour vous faire où je vais vous présenter tout l'équipement que j'utilise avec ma guitare électrique, mes guitares électriques. Et on va commencer par l'ampli. Le prochain ça va être pedalboard, qui Il est finalement complet. Tous les pédales que j'ai pour le pedalboard, ils sont de, déjà ici dans le studio. Et je vous ai montré tout ça, ayant de câbles jusqu'à l'alimentation et l'amplificateur, que c'est aujourd'hui. Et du coup, je suis très ravi pour ça. Avant de commencer, je voulais remercier à tous ces nouveaux abonnés qui se sont abonnés ces derniers mois, que j'ai vus. On est déjà à 135. Du coup, je voulais dire merci infiniment, vraiment. Merci beaucoup pour tous vos abonnements. Et aussi pour tous vos likes, liker nos vidéos, regarder nos vidéos. Et euh, pour vos commentaires très gentils et très adorables. Vraiment, ça fait bien au cœur d'entendre ces, ces mots euh, très encourageants aussi, euh, très agréables. Voilà, je voulais vous remercier à tous pour, pour ça. Et du coup, si tu es nouveau dans la chaîne aujourd'hui, moi c'est Angelo, et avec ma femme Dalia Lou, on fait de la musique, on est un duo musical Et on est sur Spotify, on est sur iTunes, Deezer, tout, vraiment toutes les plateformes que tu peux imaginer On est même sur Snapchat et Instagram euh, Pour mettre notre musique dans vos, vos stories c'est tout Et d'ailleurs nos Instagram ils vont s'afficher euh, quelque part par ici à euh, maintenant j'espère Tu peux aller écouter notre musique aussi sur toutes les plateformes pour nous découvrir, pour voir qu'est-ce qu'on fait et pour ça, j'ai fait cette vidéo aussi pour vous montrer un peu comment j'enregistre la guitare et aussi comment, comment ça sort mon son qu'il y a dans quelques chansons déjà sur Spotify. Alors, c'est parti, on va commencer la présentation de l'amplificateur Blackstar. Et du coup, je voulais vous prévenir que dans cette vidéo, ça va être. Je ne veux, veux que vous parler en fait parce que ça fait longtemps que je ne parle pas du coup je vais vraiment vous parler un petit peu raconter ma vie et euh, raconter la vie de l'ampli aussi un peu et pour ça aussi ça nous aiderait beaucoup si vous voyez cette vidéo vous, vous vous abonnez à la chaîne parce que ça me permettrait de, de faire des vidéos plus longues et plus en profondeur dans le futur j'espère dans cette vidéo je vais vous raconter un petit peu mon histoire avec les amplificateurs comment j'arrivais à celui-ci je vous ai raconté vite fait une, histoire, une petite histoire de Blackstar Amplification. Si vous ne connaissez pas Blackstar du tout, vous allez apprendre quelque chose aujourd'hui. Et aussi, je vais présenter l'ampli. Je vais dire tout ce qu'il qui a, comment je l'utilise aussi. Et à la fin, je vais dire les points positifs et les points négatifs. Voilà. Alors, mon histoire avec les amplificateurs, ça date depuis ma première guitare que mon père m'a achetée dans un combo. Il uh, y avait une acoustique et une électrique. L'électrique venait bien sûr avec un petit amplificateur de la même marque, Pearl River, que c'était la marque, et uh, c'était 15 watts ou 20 watts, un truc comme ça. Très bon pour débuter, bien sûr, mais j'imaginais pas qu'on allait uh, dans la technologie de cet amplificateur, un truc uh, comme ce que j'ai aujourd'hui. Et du coup, au Guatemala, j'avais des potes uh, guitaristes et tout, qui. Une fois, un pote m'a prêté un Marshall un de les, de les, pour les débutants aussi, tous, tous ceux qu'on aime. Marshall, le Marshall, c'est l'amplificateur qui m'a plu le plus. Et hein, j'ai eu aussi dans mes mains une Fender Blues Junior, un très bon amplificateur aussi. Et tout ça, ça finit quand j'ai déménagé à Londres. J'ai vendu mon ampli d'origine. Une fois à Londres, j'ai commencé à travailler, à m'installer dans ma vie et tout. Et, je suis allé à Denmark Street pour acheter mon, mon premier amplificateur. Et j'ai cité vraiment entre les marques connues, tu vois, Fender, Marshall et tout ça. Ou est-ce que j'allais découvrir une autre marque Et c'était le cas. C'était le cas du coup pour uh, les Star Je suis arrivé dans un magasin qui avait que ça. Et le vendeur, il était vraiment. Uh, il me disait si tu cherches un truc un nouveau, tu peux aller pour ça parce qu'ils sont très connus, ils viennent de sortir. Uh, et il m'a recommandé. Les, euh, les, la série de ID Core de Blackstar, un des premiers, quand il n'y avait pas les 150 watts, j'ai acheté celle à 40 watts. Une fois que j'ai découvert qu'ils sont sortis les 100, 100 150 watts, je suis allé pour, euh, pour cet amplificateur. Et dans ma tête, plus de watts, ça veut dire plus de puissance. C'est vrai pour la maison, c'est pas, pas super si tu vas aller jouer à. Euh, dans euh, un live comme ça, peut-être ça, ça les ferait. Mais à la maison, heureusement, on a l'option des casques, aussi une émulation de sortie euh, derrière l'Ampli. Je vous en parlais un, un petit peu plus en profondeur. Et, euh, et du coup, j'ai acheté les ID 40 watts. Et c'était un, euh, un rêve d'Ampli. Vraiment, c'est euh, Blackstar. Ils sont un son spécifique. C'est britannique après. Du coup, c'est très, très rock and roll. Et j'ai beaucoup aimé les effets qui, qui s'incluent avec l'amplificateur. Et une fois que j'ai découvert euh, ce qui est le créateur de, de la marque Black Star, je vais passer à, à la petite histoire de Black Star que je vous ai préparée ici. le mon petite histoire. Hein. Juste pour que vous connaissiez ce que j'ai ressenti quand j'ai appris ceux de la marque. Alors... Black Simplification est une marque d'amplificateur et d'effet qui a été créée par quatre Anglais ayant travaillé pour Marshall. Et c'est bien ça, il y a, il y a quatre Anglais qui vraiment... Euh, ils ont beaucoup d'expérience dans, dans les métiers des, des amplificateurs. Ils étaient dans une position de senior euh, au Marshall. Et une fois qu'ils s'étaient plus avec Marshall, ils ont créé Blackstar. Et pour ça, ça m'inspire un petit peu à voir. C'est les, 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 les Marshall modernes, quoi. Je, je voudrais dire. Si les quatre fondateurs ont commencé à travailler ensemble en 2004, c'est en 2007 que leur premier produit est lancé officiellement au Frankfurt, euh, Frankfurt Music Mass. L'entreprise est basée à Northampton, mais la fabrication en elle-même Réalisé en Corée. Voilà, ça c'est la petite histoire sur Blackstar. Quand j'ai appris ça, j'étais ravi aussi de, de savoir que des gens qui sont travaillés pour Marshall, quand même, ils ont créé cet amplificateur. Et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi Blackstar. Aussi, le nom, je le trouve euh, très cool, Blackstar. Et c'est juste, ils font des, des bons samples aussi. À la fin, je voulais comparer avec des, des amplis un peu pareils. Du coup, le Blackstar ID Core, c'est des amplis hybrides. Il y a une amélioration, euh, des sorties et des effets aussi, qui tout passe euh, digitalement, je pense. Maintenant, on va passer à la partie de présentation de l'ampli. Et je vous raconter un petit peu qu ce qu'on a, on a ici euh, disponible sur place pour nous. Et vous allez avoir aussi des, des images euh, un peu plus proches pour que vous voyez. Alors on va commencer par l'input de la guitare ou des de, pédales à l'amplificateur, la, très simple. Ensuite on a un bouton qui choisit entre six types de voix différentes, on de clean warm jusqu'au overdrive 2. Il y a deux overdrive, un crunch, un super crunch et un clean, clean bright. Un bouton gain, bouton level, euh, volume normal. À notre équalisation que c'est le bass, middle, middle and treble ensuite il y a le bouton black star qui on l'appelle tous parce que tu le trouves que dans les amplificateurs black star c'est le ISF le infinite infinite shape feature infinite shape feature et euh, du coup ce bouton ça te permet de que quand tu le montes le plus après midi le bouton va donner un peu plus de son britannique à l'amplificateur et euh, avant midi, tout avant midi jusqu'à 0, ça va donner des, un son un peu plus américain et Ensuite, on a 12 effets SF, 12 SF, en super wide stereo, c'est-à-dire qu'ils vont sortir par les deux euh, haut-parleurs et on a river, delay et modulation. On a 4 de chaque, on a river, 4 river. Room, hall, spring and plate. Pour le delay, on a linear, Analog tape and multi. Pour la modulation, on a phaser, chorus et flanger dans le même, un octaver effect. Ça, c'est la nouveauté dans cet amplificateur parce qu'avant, ils avaient juste uh, chorus, flanger et tremolo. Et, voilà. Mais dans les 100 et 150 watts, ils ont inclus cet uh, effet d'octave. Ensuite, on a très tremolo Du coup, si tu es pas un, un aficionado de pédales, mais ça serait bizarre quand même, tu as des, amplis, des, tu as des amplis avec des effets inclus qui sont très bons, même parce que j'ai essayé. Des fois, j'ai juste, juste avec l'ampli, mais voilà, ils prennent les, les pédales et ça fait très très bien. Ensuite, on a un input pour USB tu peux brancher l'amplificateur USB à ton ordinateur et on a tous les, euh, les boutons qui permet de, de garder des, des sons déjà, presets tu, tu pourrais les appeler et ensuite un tap control qui est très uh, utile pour uh, pour le tempo de des effets et aussi il y a un, uh, il y a des uh, fonctionnalités cachées dans l'amplificateur comme les, je sais pas si vous connaissez les pédales de Warrus audio, que vous appuyez les bypass et du coup vous changez un autre bouton et vous ajoutez un autre truc. Bah, c'est la même chose avec celle-ci. Et l'étape tap bouton, du coup, il euh, y a deux fonctionnalités c'est le tempo pour les effets comme delay ou, euh, ou les modulations, et aussi la fonctionnalité de que si tu les maintiens appuyés, si tu les tiens appuyés. Et tu, euh, tu règles la, le bouton de basse, tu règles la fréquence de la basse, la, la réponse de la fréquence de la basse et ça c'est très utile et pareil avec si tu, tu maintiens, tu tiens appuyé et tu bouges treble, tu ajustes euh, treble, tu es en train d'ajuster la présence de l'ampli, ça c'est très important si tu as un ampli comme ça parce que ça, ça change ton son quand même. Ensuite, ça vient avec un foot switch, le FS13, que c'est pour activer les looper et machin trucs. Derrière de l'ampli, on a bien sûr notre input pour le foot switch qui vient avec. Il y a l'émulation de sortie et casque, que c'est très important. C'est grâce à cette émulation que tu peux jouer soit directement dans ton interface ou avec les casques. Et du coup, l'émulation de sortie, c'est une émulation stéréo. Et comme je, je l'utilise, c'est que tu branches en un câble stéréo, un TRS.